Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors nous avions réalisé en fin d'année dernière une série de deux émissions consacrées à l'allocation d'actifs, émissions qui ont suscité pas mal d'interrogations de la part des internautes, et ce sont ces questions des internautes que nous allons traiter ensemble. Alors je rappelle brièvement en quoi consiste votre modèle d'allocation. C'est un modèle en cercle concentrique, et grosso modo, le cercle central, c'est le plus sûr, et les deux autres cercles qui l'entourent, ce sont les actifs les plus risqués. Donc plus on va vers la périphérie, plus on va vers le risqué. Absolument. Alors, ce modèle suscite pas mal d'interrogations chez certains, même des critiques, parce que lors des précédentes émissions, vous nous avez beaucoup parlé en fait de la dynamique de ce modèle, et vous avez beaucoup parlé à cette occasion des banques centrales et de leur influence sur la perception du risque par les investisseurs, et donc sur la manière de gérer son allocation. Absolument. Alors, si je prends la remarque, par exemple, de Nitz, qui nous dit, eh bien, c'est un modèle qui se focalise sur les banques centrales, il écrit, les banques centrales ne sont pas les seuls acteurs. Ce modèle ne tient pas compte du behavioral finance, c'est-à-dire de la finance comportementale, du FOMO, c'est-à-dire du fear of missing out, c'est-à-dire de la peur de rater un mouvement. Et il ne prend pas en compte également la pression des traders et des gérants qui se fichent bien, d'ailleurs, de ce modèle. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette critique ? Alors, la finance comportementale, elle est au cœur, en réalité, de cette vision des actifs, de la relation des actifs les uns avec les autres. En réalité, revenons quand même... déjà, c'est un concept. Il n'y a pas de modèle. Celui qui va vous dire « j'ai un modèle qui fonctionne à tous les coups », déjà, ça n'existe pas. Donc, vous pourriez remettre en question la confiance que vous pouvez apporter à celui qui vous porte ces messages-là, premièrement. Deuxièmement, ça vise vraiment simplement à expliquer quelles sont les relations des actifs les uns avec les autres et à partir de quand on peut se permettre d'aller chercher du plus risqué, c'est-à-dire des actifs qu'on va nous appeler des actifs périphériques, par rapport à des moments où il va falloir plutôt se concentrer sur le cœur, à savoir plutôt aller chercher la préservation du capital. Ça, c'est le premier point. Après, sur la notion de finance comportementale, eh bien, il faut réécouter la première émission, tout simplement parce que la finance comportementale, elle est au cœur de ce modèle, puisque qu'est-ce qui vous permet de placer les actifs dans ces cercles-là ? Eh bien, la position en fait, de chacune des sous-classes d'actifs, elle correspond en réalité à la perception qu'en ont les investisseurs institutionnels, les grands investisseurs internationaux, pas autre chose. Donc la finance comportementale, c'est vraiment ça. C'est chaque classe d'actifs va se situer à un endroit du cercle en raison de la perception qu'en ont des investisseurs. Et donc quand on dit les actifs du cœur sont les actifs les moins risqués, eh bien qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans le modèle financier, sur les marchés financiers aujourd'hui, les obligations souveraines des États industrialisés, des États qu'on appelle des pays riches, en réalité, sont au cœur. Ils sont considérés comme les actifs le moins risqués par les investisseurs institutionnels, par les grands investisseurs internationaux. Et lorsqu'on a un environnement qui devient anxiogène, eh bien, qu'est-ce que font ces investisseurs-là ? Eh bien, ils vont se recentrer sur le cœur, sur ces actifs qu'ils considèrent comme les moins risqués. Donc, on est vraiment sur de la finance comportementale. À l'inverse, et c'est l'époque, actuelle, lorsque les investisseurs sont preneurs de risque, considèrent l'environnement comme plus propice à la prise de risque, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont chercher des actifs qui, selon leur perception, correspondent à des actifs plus risqués, puisqu'ils peuvent se le permettre au regard de leur perception de l'environnement. Donc, vous comprenez, donc, évidemment, qu'est-ce qu'on va chercher ? Des actifs qui vont être, prenons des actions, mais les actions en fait, qui sont les plus en retard, ce qu'on appelle les actions cycliques, celles qui bénéficient de la conjoncture, parce que l'environnement positif il correspond en réalité à la lecture de l'environnement dans lequel les investisseurs estiment se trouver. On pourrait même aller jusqu'à des small caps, c'est-à-dire que les petites valeurs au sein du marché coté. On pourrait aller sur le high yield, c'est-à-dire que la classe d'actifs dans les obligations qui sont les plus risquées, c'est-à-dire acheter des obligations d'entreprise, c'est-à-dire prêter de l'argent des entreprises qui ont une qualité de signature dégradée. Ça veut dire quoi une qualité de signature dégradée ? C'est-à-dire que les grandes agences de notation estiment que la probabilité que celle-ci fasse défaut est élevée. Mais si l'environnement est propice, et si les investisseurs internationaux estiment que la probabilité de réalisation du défaut est faible, eh bien, ils peuvent se permettre d'y aller. Et on pourrait prendre quelque chose qui est tout à fait d'actualité, hein, presque à la mode. Qu'est-ce que c'est le Bitcoin ? Pourra revenir un jour, les crypto-monnaies, c'est quoi ? Eh bien, c'est un actif qui, dans la tête des investisseurs institutionnels, est un actif risqué. Ceux qui disent le contraire se trompent dans la perception qu'en ont les investisseurs institutionnels et les grands investisseurs internationaux. Mais, vu que l'environnement est propice à la prise de risque, on peut se permettre d'aller le chercher pour aller chercher des hausses qui sont des hausses fantastiques. Donc, la finance comportementale est véritablement au cœur de la position de chacune de ces sous-classes d'actifs dans nos différents cercles concentriques, le cœur, la petite couronne,
et la grande périphérie. Alors, on reviendra très certainement sur le Bitcoin, puisque ça a suscité quelques commentaires. C'est une pique faite exprès, évidemment, c'est pour alimenter la discussion. Bien évidemment, le débat. Alors, je pense que vous avez un effort d'explication à fournir, ou en tout cas de persuasion à fournir, concernant le cœur et la dette souveraine. Mm-hmm. Je prends la remarque de Philippe qui dit « Continuez à considérer les dettes souveraines des pays occidentaux comme un des actifs les plus sûrs du cœur, c'est une très grosse erreur. Je ne vois vraiment aucun scénario où les banques centrales arrêtent de faire tourner la planche à billets. Un jour, il est certain que l'inflation des actifs va transpirer sur l'inflation des biens de consommation. » Alors, on viendra sur la question de l'inflation un peu plus tard, parce qu'il y a eu pas mal de remarques à ce titre. Mais restons sur la dette souveraine. Peut-on vraiment considérer la dette souveraine des pays occidentaux comme l'actif le plus sûr ? Vous l'avez bien formulé, ce n'est pas un actif sans risque. Souvent les gens en fait, estiment que l'obligation souveraine, c'est un actif sans risque. Ça, c'est faux. Il n'y a pas d'actif sans risque. Le risque, il est toujours là. Donc évidemment, on ne peut pas considérer l'obligation souveraine d'un pays riche comme un actif sans risque. Maintenant, c'est un axiome. C'est-à-dire, en mathématiques, qu'est-ce qu'on fait ? On construit des systèmes sur la base d'une hypothèse de départ, un axiome. Eh bien, l'obligation souveraine, comme actif le moins risqué de tout ce qui est disponible sur les marchés financiers, c'est un axiome. On n'est pas d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que derrière l'obligation souveraine, il y a quoi ? Il y a notre vie en commun. Il y a quoi comme capacité derrière l'obligation souveraine ? Il y a la capacité de légiférer. Légiférer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire fixer les règles du jeu. Il y a la capacité de quoi derrière une obligation souveraine ? Adosser une banque centrale. Même si on pourrait ergoter, probablement il y aura débat là-dessus. Oui, mais la banque centrale est indépendante du pouvoir politique, chose auquel on ne souscrit pas depuis toujours. On vous a toujours dit qu'une banque centrale n'était indépendante que lorsqu'elle le pouvait. Mais dès que ça devenait difficile, en gros, le pouvoir de créer de la monnaie, c'est un attribut du politique. Donc ça redevient, en fait, à côté du législatif, il y a le pouvoir de battre monnaie, le pouvoir de créer sa propre monnaie. Eh bien, lorsque vous avez compris que l'axiome, le sous-jacent, pourquoi l'obligation souveraine du pays riche, c'est l'actif le moins risqué de la place, parce que c'est celui qui fixe les règles du jeu et c'est celui qui peut, ex nihilo, décider de toujours vous rembourser, de toujours faire face à sa promesse. Un État peut ne jamais faire défaut lorsqu'on parle d'un pays riche, parce qu'il lui suffit de descendre dans la cave, imprimer des billets de banque et vous les donner, et donc il aura répondu à sa promesse initiale, à savoir vous rembourser. La question fondamentale derrière, évidemment, c'est qu'est-ce que ça vaut ? Mais il aura rempli les conditions de son contrat. Comprenez ? Donc c'est vraiment l'axiome. C'est-à-dire que l'obligation souveraine du pays riche, c'est par définition celui qui sait toujours l'actif le moins risqué parce qu'il est adossé au pouvoir de légiférer, fixer les règles du jeu, et au pouvoir de battre monnaie, donc création monétaire, qui fait qu'il peut toujours, s'il le souhaite, répondre en gros à l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de vous en tant que prêteur. Donc c'est vraiment un élément de base. Et puis si vous n'êtes pas complètement convaincu, eh bien, on va faire un raisonnement par l'absurde. Vous savez, la finance n'est pas finalement si compliquée que ça. Hein. Donc, dites-vous simplement, qu'est-ce qui se passerait si jamais un État est en difficulté et était susceptible de faire défaut ? Le bonheur est relatif. Si vous n'achetez pas des obligations souveraines, vous achetez autre chose. Des actions, des obligations d'entreprise, des choses du monde réel qui n'est pas adossées au pouvoir public. Est-ce que vous croyez qu'un État qui fait défaut, ou un monde dans lequel un État fait défaut, est-ce que vous croyez que les agents privés qui vivent sur ces territoires-là, savoir les ménages ou les entreprises, sont en situation vertueuse? Bien sûr que non. La réalité est que si un État fait défaut, c'est que les entreprises de ces zones-là seront en très grande difficulté. Tout simplement parce qu'on en revient à la base, le pouvoir de fixer les règles du jeu feront que, du jour au lendemain, un État en difficulté peut tout à fait décider d'augmenter la fiscalité au détriment des marges des entreprises et de leur profitabilité. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, Pierre, c'est que certes, le risque existe, parce qu'on ne peut pas s'en abstraire complètement, hein, même avec des obligations souveraines. Mmh. Par contre, si on doit prendre l'hypothèse du pire, celui d'un défaut d'un État, tout s'écroule. Mmh. Évidemment, parce que ça répond à cette notion très importante. Ce qui est difficile dans le monde du patrimoine, c'est qu'en réalité, il y a une dualité d'objectifs. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Un patrimoine, qu'est-ce qu'on veut en faire ? En réalité, cette dualité d'objectifs, c'est la préservation optimale du capital accumulé. La préservation optimale du patrimoine. Eh bien, la vraie difficulté, c'est qu'il y a deux mots qui s'opposent en réalité, la préservation et l'optimal. Eh bien, soyez juste sûr d'une chose, c'est que pour répondre à la tête des investisseurs internationaux, à chaque fois qu'il y a de l'aversion pour le risque, qu'est-ce que les taux d'intérêt font des pays riches ? Ils montent ou ils baissent ? Ils baissent, tout simplement parce que c'est une forme d'assurance pour eux de préserver le capital.
peut-être qu'ils ne le retrouveront pas. Mais le bonheur étant relatif, s'ils allaient en fait loger leur fonds, leur patrimoine sur d'autres actifs, eh bien, ils prendraient encore plus de risques que s'ils allaient se loger sur l'obligation souveraine, à savoir adossé à un agent sur votre territoire en capacité de fixer lui-même les règles du jeu et de battre monnaie. Alors, on voit bien que la question de la dette préoccupe énormément tout de même les internautes. Miss Jace pose la question suivante. Est-ce que les banques centrales pourraient radier la dette des États? Et si oui, quel impact? Alors, je ne vais pas vous demander de développer toute la question de la dette, parce que ça, il faudra qu'on la traite dans une émission ultérieure. Mais est-ce que, selon vous, la radiation des dettes est envisageable? Réponse courte. Et si oui, quel impact? Alors, je ne répondrai pas à la deuxième partie parce que ma première réponse à la question, c'est que non, c'est inenvisageable. C'est techniquement possible, mais sociétalement et moralement inacceptable, et donc on n'ira pas jusque-là. Donc, considérer que ce sujet, en fait, de supprimer les dettes qu'on a accumulées jusque-là et de pouvoir, en fait, les effacer d'un coup de baguette magique, ne sera pas, en fait, une action que nous réaliserons dans le futur. Aucun gouvernant ne prendra ce risque-là parce que, pour le coup, ça déstabiliserait complètement à la fois nos économies et aussi les marchés financiers. Une autre question relative évidemment au cœur et donc à la dette des États. Comment peut-on acheter le cœur quand il ne propose aucun rendement? Alors ça revient à la dualité qu'on évoquait sur l'objectif en termes patrimonial que les internautes et toute personne qui dispose d'un patrimoine recherche. Ces objectifs, ils sont doubles. Préservation optimale du capital accumulé. Pourquoi on peut être amené, légitimement parlant, et ça peut être une bonne idée d'aller chercher finalement des actifs qui ne vous rapportent rien? Parce que là aussi, le bonheur est relatif. Raisonnement par l'absurde, on y revient. Vous avez des actifs risqués. La version polarisée gagne. La banque centrale commence à dire « mais j'ai plus vraiment envie de subventionner, de continuer à autant alimenter la dette des États et les marchés financiers ». Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les investisseurs deviennent moins positifs. Et donc, si vous avez un portefeuille qui n'est que basé sur des actifs risqués, bien, si vous avez des actions, par exemple, il faut avoir en tête qu'entre 2000 et 2003, l'ensemble des marchés actions en CAC 40 a baissé de 55% en 3 ans. Entre 2007 et 2009, le CAC 40 il a baissé de 55%. Donc, vous avez compris le sens de ma réponse. Vous êtes face à une situation. Alors là, ce n'est pas le moment. Donc, les gens ne comprennent pas, évidemment, puisqu'on est dans un moment d'appétit pour le risque où tous les actifs les plus risqués montent à juste titre. Mais si vous êtes dans une situation où les choses s'inversent, la croissance ne revient pas telle qu'on l'imaginait, les banques centrales ne peuvent plus continuer à soutenir les marchés, vous pouvez rentrer dans un scénario, dans un environnement beaucoup moins favorable aux actifs risqués. Donc la situation, c'est vaut-il mieux ne rien gagner ou perdre 1 à 2% ou perdre 50%? Là, vous avez la réponse à votre question. C'est pour ça qu'en réalité, il n'y a pas d'arbitrage 100%. Actif du cœur, 100% actif risqué. C'est pas possible. Celui qui vous fait du 100% enfin, sa manière d'appréhender le risque et la gestion de patrimoine est obsolète. Parce qu'en réalité, il faut toucher toujours un juste équilibre entre la préservation et l'optimal. Est-ce que l'environnement est plutôt à la préservation? Dans ces cas-là, je vais plutôt aller chercher des actifs qui me rassurent, qui m'assurent de ne pas perdre beaucoup. Et à l'inverse, lorsque l'environnement devient plus propice, je vais plutôt aller chercher du risque. Mais le plutôt aller chercher du risque, c'est plutôt. C'est pas je vais tout vendre le cœur pour acheter la périphérie. Parce qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, dans un contexte extrêmement favorable, celui qui vous dit je prends 100% de risque sur l'ensemble de votre patrimoine, eh bien, la réalité, c'est que si malheureusement il se trompe, ça peut arriver, hein, au meilleur d'entre nous, s'il se trompe et que l'aversion pour le risque, pour des raisons de choc externe, arrive, eh bien, du jour au lendemain, vous pouvez retrouver avec tout ce que vous avez accumulé jusque-là, eh bien, ça peut avoir disparu. En tout cas, ça peut être divisé par deux. Donc, vous comprenez le choc psychologique pour quelqu'un qui a trimé toute sa vie pour accumuler du capital et qui se retrouve avec moitié moins à terme. Parce que le patrimoine n'avait pas bien compris la dualité de l'objectif préservation optimale. Donc les actifs du cœur, ça sert à préserver. Question relative à la gestion passive et à son influence. Et ça, c'est une remarque qui revient assez fréquemment. On a Bruno qui en parle, on a Michael également qui mentionne ça. Est-ce que votre modèle n'est pas un modèle adapté à un environnement classique? C'est un peu le sens de leur question. Et est-ce qu'il prend bien en compte la modification des comportements de marché induit par la montée en puissance de la gestion passive, et notamment de la gestion passive au travers des ETF? Non, parce qu'il y a quoi dans les ETF? Vous pouvez avoir en fait tous les actifs, toutes les classes d'actifs qui composent en fait nos différents cercles concentriques. Donc ça peut être un effet d'exacerbation. L'ETF, il sert à quoi? La gestion passive, elle permet quoi? Elle permet en réalité de plus démocratiser la place des actifs financiers
dans la gestion de patrimoine. Donc elle va permettre d'attirer du monde sur les marchés financiers, mais sur l'ensemble des marchés financiers, pas une classe d'actifs plutôt qu'une autre. La gestion passive qui fait que, ben, simplement, lorsque les gens vont avoir envie de prendre du risque, ben, la gestion passive, elle va permettre de flécher une partie du patrimoine des gens, de l'épargne des gens, vers des actifs qui vont être des actions. Mais vous voyez, il n'y a pas de différence entre les deux. La réalité, c'est que l'ETF, ça, c'est en fait un outil, un objet de simplification pour les gens, pour aller jouer, en fait, ou aller investir sur les marchés financiers, sur toutes les classes d'actifs qu'on évoque aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est simplement un outil de simplification. Cet outil de simplification, elle amène des flux. Mais la manière dont ces flux sont distribués, c'est pas autre chose que votre perception de l'environnement et votre envie de prendre du risque ou pas. Donc, toujours, on en revient à la même chose, votre envie de plutôt préserver ou plutôt aller chercher de la performance. Oui, mais ce que comporte leur question, c'est une réflexion sur la concentration du risque induite par la montée en puissance des ETF. Quand vous avez des ETF qui répliquent, par exemple, le S&P 500, mm-hmm. Bon, on a un engouement autour des GAFAM. Les GAFAM montent, le cours de leurs actions monte. Que font les gérants d'ETF ? Eh bien, évidemment, ils repondèrent les GAFAM dans les ETF, mm-hmm. ce qui fait évidemment monter, puisqu'ils achètent finalement des GAFAM pour répliquer la pondération du S&P 500, ce qui fait monter mécaniquement, encore une fois, le cours des GAFAM, mmh. et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'une fois que ça a monté, il faut encore alimenter. Il y a des effets boule de neige qui sont décrits notamment par certains professionnels de marché, et je pense que Bruno et Michael font référence à ça. Oui, mais ce n'est pas le cœur. C'est-à-dire que ne confondez pas l'exacerbation d'un phénomène, qu'on peut entendre, mais au départ, il y a l'origine du phénomène. L'origine du phénomène, c'est un appétit pour les GAFAM. L'appétit pour les GAFAM disparaît. Donc l'appétit pour les GAFAM est là. Donc il amène en fait les GAFAM à monter de manière plus virulente que les autres. Et ensuite, les stratégies passives doivent justement se repondérer. Donc on peut avoir une exacerbation. Donc ça peut augmenter, on va dire, l'effet spéculatif sur les marchés. Mais à l'origine, il y a un appétit ou il y a une envie ou pas d'aller sur une thématique plus qu'une autre. Donc c'est un effet d'exacerbation, mais ça ne détermine pas le sens, la direction de l'actif financier, type les actions ou les obligations, etc. Donc je comprends bien ce que les gens veulent dire par là, mais l'effet concentration des GAFAM aujourd'hui, c'est uniquement parce que les gens aujourd'hui ont envie d'en acheter. Et maintenant, revenons aux raisons qui font qu'ils ont envie d'acheter des GAFAM. Ben, vous savez pourquoi ils ont envie d'acheter des GAFAM? Parce que les GAFAM, c'est quoi? Ce sont des entreprises, dont des actions, mais qui ressemblent quand même beaucoup à des obligations. Donc ce sont des actions qui se sont progressivement recentrées du cœur. Pourquoi ? Parce que quand aujourd'hui vous achetez un GAFAM, vous achetez une boîte avec un modèle économique robuste, vous achetez une capacité à préserver son avantage compétitif grâce à cette technophilie. Et troisièmement, vous achetez quoi ? Comme presque un État souverain, une surface financière de dingue, à savoir une trésorerie extraordinaire, un trésor de guerre énorme. Et donc, ça ressemble à quoi tout ça? Ça veut dire quoi un trésor de guerre énorme? Ça veut dire que même si ça se passe mal, eh bien, ces gens-là seront moins en difficulté que les autres. Ce qui fait que vous avez là, typiquement, c'est ce qu'on appelle, nous, la thématique des trusts technophiles, plus que des GAFAM, hein, des grands trusts financiers, en réalité, qui ont un avantage compétitif techno. Eh bien, ce sont des actions, mais qui ressemblent de plus en plus à des obligations dans... Justement, on revient à la finance comportementale dans la tête des investisseurs internationaux. Donc, je fais quoi? C'est idéal quand on veut faire de la préservation optimale du capital. Je prends du risque, mais pas trop. Et c'est pour ça. Donc, la thématique sous-jacente et l'hyperconcentration des marchés, c'est parce que les gens veulent de ça. Le jour où un État dira « j'ai envie de changer les règles du jeu parce que ces gens-là ont trop d'avantages par rapport aux autres. Et donc, je vais en reprendre un peu, je vais redistribuer, donc je vais augmenter de la fiscalité spécifiquement pour ces gens-là, ou on dira, ces gens-là sont trop gros, je vais les découper. Vous verrez il y aura une repondération, c'est-à-dire que la place des GAFAM sera beaucoup plus petite à partir de ce moment-là, parce que les gens auront moins envie de l'acheter. Et donc, je comprends la gestion passive, mais ça exacerbe. Ça augmente le flux spéculatif. Ça ne fait pas naître le phénomène. Ça ne crée pas le phénomène. Le phénomène, c'est vraiment des sous-jacents qui viennent de votre appétit ou pas, acheter une thématique ou pas. Alors, remarque de Philippe maintenant. Donc, si on suit le raisonnement, le concept de bulle disparaît puisqu'il y a des vases communicants, la grande périphérie étant l'égout vaseux qui puire un peu moins quand Mme Lagarde ou M. Powell met la main au portefeuille. Donc Philippe a des lettres déjà, c'est un bon point. Mais est-ce que vraiment, avec votre modèle d'allocation, le concept de bulle disparaît? Non, il ne disparaît pas. Parce que, en fait, le concept de bulle, il revient à quoi?
si vous avez bien compris. La question fondamentale, une fois que vous avez placé tous vos actifs au regard du statut que leur affublent les grands investisseurs internationaux, qu'est-ce qui l'alimente ? La bulle, ce n'est pas le statut, ce n'est pas l'endroit où la relation des actifs les uns avec les autres, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'argent ou pas à investir et est-ce que la valorisation de ces actifs est adaptée ? Donc en gros, la question, c'est celui du volume d'argent qui est déversé sur le marché financier par rapport à l'offre d'actifs financiers à disposition. Et donc la notion de bulle, elle ne disparaît pas, simplement la notion de bulle, elle vise à trouver la réponse à cette question, est-ce que le flot d'argent qui se déverse sur les marchés financiers est structurel ou artificiel. Donc le flux d'argent, il n'y a pas de bulle à partir de quel moment ? Quand finalement l'argent qui se déverse sur les marchés financiers n'est pas autre chose que l'épargne naturellement bâtie par une économie. Lorsque ce sont les entreprises ou les ménages qui épargnent parce que pour les entreprises elles font des profits et les ménages ils décident, en fait, ils disposent de revenus qu'ils préfèrent épargner, eh bien ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toute l'épargne à disposition des marchés financiers. Lorsque cette épargne-là, elle repose sur l'activité réelle, eh bien vous avez simplement un volume d'argent qui se déverse sur les marchés financiers adapté, en fait, à l'offre de produits financiers à disposition. Donc là, il n'y a pas de bulle. Mais à partir du moment où vous avez comme déversoir sur les marchés financiers un acteur qui descend dans sa cave, imprime des billets de banque et vient les déverser sur le marché financier, évidemment, il y a bulle. Mais il y a bulle globale. Il y a bulle globale. Ce n'est pas bulle sur un actif plus qu'un autre. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a une bulle généralisée. Et une autre manière un peu moins technique, hein, Tekos, de le dire, c'est que tout est cher. Tout est très cher. On n'a jamais été dans des situations où tout était aussi cher qu'aujourd'hui. Et c'est logique, parce que tout simplement, aujourd'hui, ce qui alimente les marchés financiers, c'est l'épargne générée naturellement par nos économies, qui n'est pas en quantité excessive, mais qui reste là, plus toute la création monétaire, qui n'est de rien, en fait, hein, qui est de la pure création, qui est sans déverser par les banques centrales. Je vous dirais juste un chiffre pour ça. En 9 mois, les banques centrales, les 3 grandes banques centrales, Banque centrale européenne, Banque centrale américaine et Banque centrale japonaise, ont injecté plus de 9 000 milliards de dollars en plus. Ont créé en monnaie 9 000 milliards de dollars en 9 mois, en 10 mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout cet argent-là a été déversé sur l'ensemble de ces cercles concentriques-là. Donc évidemment, on est en situation de bulle. Mais la question à se poser, c'est est-ce que la source de cette bulle-là va se tarir ou pas ? Tant qu'elle est là, eh bien la bulle, elle perdure. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est en bulle, mais ça ne nous aide pas beaucoup. La survalorisation actuelle, évidemment, il y a une grosse partie artificielle. Mais la question fondamentale, c'est est-ce que cet artifice est amené à disparaître à plus ou moins court terme ? Si la réponse est non, eh bien ces niveaux de valorisation, ils perdureront. Donc tout est cher. Je vous annonce une chose, tout va rester cher, tant qu'on n'aura pas des banques centrales qui changeront leur fusil d'épaule. On reviendra également sur cette question très certainement, sur tout est cher et tout va rester cher. Remarque de Nazim, qui nous félicite pour l'émission que nous avions réalisée sur l'allocation, mais il a une question assez précise sur la classe action. Est-ce que la périphérie concerne toujours les mêmes secteurs ? Par exemple, si demain nous avons une nouvelle crise liée au secteur technologique, est-ce que les GAFAM pourraient se retrouver en périphérie alors que les valeurs value pourraient se diriger vers la petite couronne ? Donc, est-ce qu'on pourrait assister à des glissements sur cette cartographie ? Sur moyen long terme, on peut avoir des changements de statut par rapport à certains secteurs d'activité. Alors, sur la première partie de la question sur les technos, je vais y revenir. Sur la deuxième partie, est-ce que les values pourraient se rapprocher du cœur ? C'est très peu probable. Parce que le concept des values, rappelons quand même aux internautes ce que c'est. C'est plutôt des valeurs qui vont être cycliques. Donc, les valeurs cycliques, c'est des valeurs qui sont sensibles à la conjoncture. Donc, grosso modo, elles ne vont pas se rapprocher du cœur. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas monter. Elles vont rester en périphérie. Mais lorsqu'on est en phase de reprise économique, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens sont dans un environnement plutôt prospère, plutôt positif, plutôt optimiste. Et donc, il y a une force centrifuge qui font que les actifs qui vont le plus monter seront les actifs les plus périphériques. Donc, les values, comme d'habitude, dans ces moments-là, remontent. Mais à partir du moment où la croissance ralentit, eh bien, elles rebaisseront. Vous voyez ? Donc, elles n'ont pas changé de statut. Elles sont là parce que c'est l'absence de visibilité qu'elles offrent sur longue période aux investisseurs qui font qu'elles ne peuvent pas bouger, par nature. Après, est-ce que d'autres thématiques, d'autres secteurs d'activité peuvent changer ? Oui, bien sûr, puisque qu'est-ce qu'on vient de dire ? On vient de dire que les GAFAM, ces grands trusts technophiles, étaient des actions qui étaient dans la deuxième couronne et se sont rapprochées du cœur. C'est exactement, ça répond à votre question. Pourquoi elles se sont rapprochées du cœur ? Parce que progressivement, elles se sont dotées d'attributs
Donc, en plus, notamment, un trésor de guerre qui les protège et qui font que dans la tête des investisseurs, ce sont devenus des quasi-obligations. Évidemment, ça revient au propos de tout à l'heure, si jamais vous avez la réglementation ou un changement de fiscalité spécifique pour ce secteur-là, évidemment, eh bien, on va s'éloigner du cœur, mais de manière structurelle. En gros, tout ça pour vous dire que si jamais, comme on a souhaité le faire et pu le faire au début du 20e, parce que des grands trusts privés devenaient trop importants et prenaient trop de place par rapport à l'argent public, et que certains discours politiques voudraient donc soit les faire rentrer dans le rang, soit carrément les découper. Je rappelle que les lois antitrust sont nées en 1901 avec l'élection de Theodore Roosevelt à la tête des États-Unis. Et donc, et ça aboutit 10 ans plus tard aux lois antitrust en 1911, où on a vraiment découpé les gros. Il est évident que si on a des discours comme ça qui arrivent, eh bien les investisseurs, les grands investisseurs constateront le fait que ces acteurs-là, qui nous offraient beaucoup de visibilité à moyen et long terme, eh bien vous en offriront moins. Et donc naturellement, il y aura une glissade, et donc on aura des acteurs qui, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront que baisser, mais qui seront beaucoup plus sensibles aux éléments conjoncturels. Et qui perdront leur statut. Et surtout, ils seront décalés en termes de statut. Alors, on ne va pas préjuger de l'avenir, mais ce qu'on peut constater, c'est que les tensions entre puissance étatique et la FAM, groupe technologique, le meilleur exemple en est fourni par ce qui se passe entre l'Australie et Facebook. Les tensions sont de plus en plus vives. Oui. Et un jour, ça pourrait se matérialiser dans une confrontation assez brutale. J'en appelle pour le coup aux prises de parole qu'on avait eues très tôt sur ce sujet-là, à savoir que les GAFAM, en gros, toutes les valeurs technologiques sont dans un grand bull market qui ne peut être qu'un bull market, parce qu'en fait, elles ont un avantage concurrentiel tel qu'elles ne peuvent pas être rattrapées tant qu'on ne change pas les règles du jeu. Donc elles grossiront jusqu'au jour où, évidemment, en fait, la concurrence qu'elles feront à l'argent public fera qu'il va y avoir des tensions très fortes et que les règles du jeu changeront. C'est des choses qu'on disait dès 2017-2018, quand personne n'en parlait. C'est des sujets qui sont progressivement arrivés sur la table et qui ne cessent de gagner en ampleur. Évidemment, la crise sanitaire a mis sous le tapis en fait, tous ces sujets. Vous verrez, dès que la crise sanitaire sera passée, bien, toutes les tensions d'avant Covid réapparaîtront et la question en fait, de l'encadrement de ces grands acteurs-là reviendra sur le devant de la scène. Donc ça sera une grande thématique de la décennie 2010. Après, il faudra voir jusqu'où les politiques vont voilà, dans la lutte qu'ils entameront avec ces grands trusts technophiles. Question assez précise de J. Croix. Quelle est l'explication Quelle est l'explication sous-jacente à la limitation de la part du private equity à 10%, d'autant plus que les performances historiques des fonds de private equity bien gérés sont très bonnes? Bon, déjà, le private equity, ce sont des actions. Donc, c'est par définition un actif plus risqué qu'une obligation, parce que je réexplique toujours, hein, revenons toujours à la base. Pourquoi une action, c'est toujours plus risqué en termes de statut qu'une obligation? Parce que pour le même émetteur, en gros, vous savez, dans le bilan d'une entreprise, vous avez l'actif et le passif. Le passif, c'est de quelles ressources financières dispose l'entreprise pour faire son activité. Eh bien, c'est tout simple. Lorsqu'une entreprise est en liquidation, donc est en difficulté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un liquidateur qui vient vendre les actifs pour pouvoir rembourser en fait les gens qui sont les créanciers de l'entreprise. Eh bien, on les rembourse dans quel sens? On rembourse évidemment toujours l'État en premier, puis ensuite les prêteurs, et en dernier, s'il reste quelque chose, les actionnaires. Comprenez pourquoi, par définition, les obligations et les actions sont différentes. Donc déjà, private equity, ce sont des actions. Donc, mettons les actions comme, considérons les private equity comme les actions cotées, comme des actifs risqués. Point. Donc ça, c'est déjà, en fait, il faut toujours repréciser cela. Deuxièmement, les fonds de private equity ont affiché des niveaux de performance qui sont extrêmement élevés. Deux raisons structurelles à cela. Premièrement, petit marché. Petit marché, donc pas énormément d'argent au départ. Et donc, vous avez en fait une offre qui font que les gens qui vont chercher de l'argent sur le private equity faisaient que, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, il y avait un marché qui était assez équilibré, dans lequel il y avait des très bons dossiers. Donc, naturellement, ceux qui ont été les premiers à en faire ont affiché des rendements qui sont déments. À partir du moment où le private equity se démocratise, ben vous verrez que naturellement, hein, ce n'est pas parce que la classe d'actifs va rester extrêmement intéressante. Elle va passer de rien à 5, 10, peut-être 15% dans les portefeuilles globaux. Donc, ce qui est déjà énorme, hein, ce qui est déjà énorme. Mais à partir du moment où vous passez de 0 à 5, 10, 15% des patrimoines de tout le monde, vous comprenez bien qu'il y a un afflux d'argent gigantesque. Et c'est quoi le prix? C'est quoi le rendement? C'est pas autre chose que le reflet entre l'offre et la demande. Quand vous avez tout le monde qui en veut. Le nombre de projets, il correspond à la richesse créée, au nombre d'entreprises qui veulent aller chercher de l'argent et qui veulent investir pour développer du business. Et donc vous êtes face à quoi? Face finalement à un nombre de dossiers à financer qui n'est pas extensible, encore plus dans un environnement de croissance
limitée, on va dire, alors que vous avez un afflux d'argent énorme. Bah, naturellement, vous avez un effet. Alors, c'est très cher, c'est beaucoup plus cher qu'avant. Ça va rester très cher. Hein. Ça ne veut pas dire que le private equity va baisser, mais que les niveaux de rendement affichés jusqu'à maintenant, évidemment, ne sont pas pérennes au regard du prix d'acquisition et du fait que tout le monde en veut. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand même, sur le private equity qui explique le surplus de rendement, il faut quand même rentrer dans le détail. La qualité des gérants était probablement de meilleure qualité. Tout simplement parce que quand vous faites du private equity, vous n'êtes pas un pouillème des investisseurs ayant acquis une partie du flottant qui n'existe pas, en fait, qui n'interagit pas avec l'entreprise elle-même. Quand vous êtes un fonds de private equity, vous pesez, même si vous êtes minoritaire, vous existez. Vous avez un siège souvent au conseil d'administration, vous pouvez même faire du private equity, être majoritaire dans la boîte. Donc ça veut dire que vous avez vraiment une capacité à interagir avec l'entreprise. Donc là, ça pousse quand même, je dirais, à une qualité de la gestion des fonds de private equity qui, jusqu'à maintenant, étaient beaucoup plus ancrés à une réalité économique. Alors que sur des actions cotées, on est beaucoup plus sur des effets de mode, sur des thématiques, des grandes thématiques. On a moins d'impact, on va dire, sur l'entreprise en tant que telle. Ça explique aussi une partie de la surperformance du private equity. Donc voilà, ça, c'était pour le structurel. Après, pourquoi pas au-delà? Tout simplement parce que la vraie difficulté, enfin, je vais vous poser la question, c'est quoi la différence entre les actions cotées et le private equity? La liquidité. La liquidité. C'est la raison pour laquelle, en fait, on ne peut pas aller au-delà d'un certain point. Bien sûr qu'on va chercher de l'optimal, on va chercher de la performance en raison des éléments qu'on vient d'évoquer sur du private equity, mais on ne peut pas prendre trop de risques, on ne peut pas constituer un portefeuille qui est trop illiquide. Parce que si jamais il y a une difficulté, si jamais vous êtes en situation d'avoir besoin de votre épargne et que vous n'avez pas de contrepartie, il n'y a pas de liquidité, eh bien vous serez scotché. Et donc si jamais vous voulez absolument vendre, et vous ne vendrez rien du tout. Ou avec une décote qui sera très importante. Donc vous comprenez que la notion de liquidité est un phénomène qu'il faut prendre en considération dans la gestion de patrimoine et qui fait que le private equity va passer de 0 à 5, 10, peut-être 15, à juste titre, mais ne pourra pas dépasser. Autre question, cette fois d'Anthropos et Logos, qui concerne l'immobilier. Et a priori, il n'a pas tout à fait la même perception que vous du risque attaché à l'immobilier. Concernant l'immobilier, qui est un actif sensible à la conjoncture économique locale, ne pensez-vous pas qu'il est l'actif le plus risqué au vu des perspectives à venir en termes d'économie réelle? Et il précise « Je pressens un basculement conjoncturel et structurel sur l'immobilier, une forme d'éclatement des fondamentaux anciens et une révolution culturelle sur le rapport à la pierre qui ne représentera plus le même intérêt, surtout aux yeux des jeunes ménages. » C'est un vaste sujet, l'immobilier. On le traitera encore une fois dans une autre émission parce que beaucoup de questions sont soulevées, en fait. Mais que pouvez-vous dire à Anthropos et Logos? Alors que ce qu'il pressent comme grand changement, comme grand soir, on pourrait presque dire pour le marché de l'immobilier, à long terme, c'est possible. Rien n'est impossible à long terme. Donc on pourra l'évoquer, si vous voulez, reprendre point à point, hein, tous ces points, lors d'une émission qui serait dédiée, parce que c'est vraiment un sujet assez dense. Mais sur le long terme, pourquoi pas? Mais à court terme, il faut rester plus pragmatique que cela. L'immobilier, c'est quoi? C'est une envie d'acheter. Est-ce qu'elle reste là? Elle reste présente. Et donc, en dépit du fait que la France ait vécu une récession de plus de 8%, eh bien, une chose n'a pas bougé, c'est l'appétit pour les gens pour l'immobilier, qui perdure, premièrement. Donc, à la base de la consommation et de l'acquisition, il y a l'envie. Elle reste présente. Un. Deux, après, pour faire le prix, il y a deux choses. Combien vous pouvez avoir pour transformer ce désir en acte d'achat? Eh bien, ça dépend de deux choses. Les revenus. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, alors, certes de manière artificielle, mais le pouvoir d'achat des ménages n'a pas baissé pendant cette crise. Il est peu probable qu'il baisse de manière extrêmement substantielle dans les mois à venir. Donc, les revenus se sont maintenus. Et surtout, deuxième chose, ce qui fait les prix d'immobilier, ce n'est pas autre chose que les taux d'intérêt. Donc, qui va déterminer votre capacité à disposer d'argent pour acheter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On vit dans un monde où les taux d'intérêt sont très bas. Vous le savez, on l'a déjà évoqué à de maintes reprises, on estime qu'ils vont rester très bas pendant très longtemps. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes, en tout cas à court terme, sur un marché d'immobilier qui est relativement protégé. Ça ne veut pas dire qu'il va monter, mais problème aujourd'hui, il y a les conditions qui sont là pour qu'il ne baisse pas. Autre question, cette fois relative à l'inflation. Qui est un sujet qui revient tout de même assez fréquemment en ce moment. Quid de l'inflation dans un monde en faible croissance? Les obligations de pays émergents et l'or ne devraient-ils pas être favorisés? Question d'Artémis. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de concepts qui viennent s'entrechoquer. Je reviens, en fait, comme la réponse tout à l'heure, à celle de quel horizon de temps, dans quel horizon de temps vous vous placez. Alors, premièrement, l'inflation. L'inflation, qu'est-ce que c'est? Pour pouvoir répondre à la thématique actuelle, à la mode, qui est le retour de l'inflation, qui fait d'ailleurs un peu monter les taux d'intérêt américains. Bon,
c'est l'épaisseur du trait. Mais bon, vu qu'on n'a pas grand-chose à dire, en général, voilà, l'épaisseur du trait ou une petite dynamique, un petit mouvement suffit à faire la une des journaux. Mais bon, passons. L'inflation, c'est quoi? C'est la différence qui existe, enfin, c'est le temps nécessaire, pour que l'outil de production réponde à une demande qui augmente. Donc la vraie question qu'il faut vous poser, pour savoir s'il va y avoir de l'inflation réelle en fait, demain, c'est est-ce que la demande augmente, oui ou non? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour des raisons à la fois conjoncturelles et structurelles, la demande augmente de moins en moins vite, année après année. Donc à partir du moment où vous vivez dans un monde où la demande augmente peu, eh bien, vous avez compris que l'outil de production il est déjà structuré pour pouvoir la servir. Donc il n'y a pas possibilité d'inflation. Parce que je rappelle que l'inflation, c'est le temps nécessaire pour que lorsque la demande passe de 100 à 110, pour que l'outil de production, je dirais, se calibre à cette augmentation de la demande. À partir du moment, et ça pour le coup, là aussi, ça devrait faire l'objet d'une autre émission, mais où les croissances potentielles de partout, les potentiels de croissance partout dans le monde ont tendance à décliner structurellement depuis maintenant un certain nombre d'années, et ça va continuer pour des raisons démographiques, la demande ne va pas augmenter, donc il n'y a pas possibilité de retour de l'inflation d'un point de vue structurel. Après, je comprends ce qui inquiète les gens, à savoir l'inflation in fine. Mais c'est une autre inflation dont il parle. C'est une inflation d'origine monétaire. En fait, ce n'est pas de l'inflation que les gens ont peur. Ce n'est pas de l'inflation que je viens d'évoquer là. C'est surtout de l'hyperinflation. L'hyperinflation monétaire. L'hyperinflation qui viendrait en réalité de l'érosion monétaire. À savoir que le billet de banque que vous avez dans la poche, l'inquiétude des gens à juste titre, ça serait de se dire, est-ce que le billet que j'ai dans la poche vaudra demain la même chose qu'aujourd'hui? Est-ce que demain, si je vous le donne ce billet, vous continuerez de me livrer le même service ou me livrer mon repas du midi? Ou est-ce que vous allez m'en demander deux parce que vous n'avez pas confiance dans la valeur en fait, de ce contrat de confiance et qui fait qu'on est en capacité de s'échanger des biens en contrepartie de quoi? On se donne de l'argent. Donc la vraie question, c'est la valeur de l'argent. Et pour répondre à cette question, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour une raison toute simple. C'est ce qu'on fera après la crise qui déterminera si demain ou après-demain, il y a un risque de perte de confiance des gens dans la valeur du billet de banque, dans la valeur de la monnaie. Et donc une manière de le savoir, ça sera si nos États continuent d'imprimer des billets de banque lorsque la crise sera passée, pour subvenir à des dépenses supérieures à ce qu'on a en capacité à créer comme richesse. Ça poussera les banques centrales à continuer ces politiques d'impression monétaire, donc de création de billets et d'injection de ces billets en fait, sur les marchés financiers de manière indéterminée. À terme, le risque, c'est que vous et moi, on se dise, mais finalement, est-ce que le billet que là je vous donne vaut la même chose qu'avant? Et ça s'appelle l'érosion monétaire. Si ça arrive, évidemment, ça génère de l'hyperinflation, parce que vous n'allez pas me demander, et ça ira voir du jour au lendemain, vous n'allez pas me demander un billet, mais deux billets. Et là, évidemment, là, c'est la destruction du patrimoine, c'est la destruction de la rente, c'est le scénario du pire. Mais tout cela, c'est dans un horizon lointain, et ce n'est pas du tout certain. C'est si on choisit le chemin de faire perdurer des politiques structurellement inadaptées à notre capacité à créer des richesses. En gros, si demain, on croit que le Père Noël existe et qu'on continue à imprimer des billets de banque pour financer des dépenses sans avoir une richesse créée en face, à terme, il y aurait ce risque d'hyperinflation. Mais c'est beaucoup trop tôt pour être dans ce scénario-là. On passe maintenant à Jean-Christophe. Alors Jean-Christophe fait une remarque. Il faut rajouter le cash en cœur. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, on peut rajouter le cash en cœur, oui, effectivement, c'est la préservation ultime, si ce n'est à ce qui est de l'érosion monétaire, et ça revient à la notion d'hyperinflation, mais en tout cas à court terme, oui, évidemment, il faut rajouter le cash au cœur. Et puis il constate aussi que finalement, il est un peu comme M. Jourdain, il appliquait votre méthode sans le savoir, oui. Et lui, il a réduit récemment sa position sur les obligations américaines, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est ça. Il a réduit sa position sur les obligations américaines. Mais là, pour vous, ça, c'est du tactique, finalement. C'est du tactique, oui. C'est, en fait, c'est le jeu de basculement. Après, derrière, là, ce qu'on évoque, c'est comprendre l'origine des flux et de la dynamique des sous-classes d'actifs. Après, à l'intérieur d'eux, c'est un outil d'aide à la décision, un outil de conceptualisation, en fait, des phénomènes. L'acte de gestion, il revient à celui qui gère le patrimoine, soit le particulier qui gère son patrimoine, soit le conseil en gestion de patrimoine, soit le banquier, peu importe. Donc après, derrière, celui qui prend la décision de faire des arbitrages tactiques, ça revient en réalité à celui qui gère factuellement le patrimoine. On enchaîne avec Marc, qui est un peu dubitatif quant au modèle proposé. Alors Marc a l'air d'estimer que de toute façon, il y a une sorte d'asymétrie dans la...
la cueillette d'informations. Les grands investisseurs en ont davantage que vous, évidemment, c'est-à-dire les particuliers. Et puis, il reprend une de vos phrases, « Ne pas perdre, c'est déjà beaucoup ». C'est une phrase que vous répétez souvent, hein, puisque vous dites Ça dépend du contexte, évidemment. Mais mais puisque l'optique, c'est tout de même d'abord la préservation du capital accumulé. En fait, non. C'est-à-dire que, encore une fois, l'objectif, c'est en fonction de l'environnement, de ce qu'on voit arriver, qu'il faut plutôt aller vers la préservation. Donc là, dans ces cas-là, ça veut dire que ne pas perdre, ça peut être déjà beaucoup, dans un monde qui est en gros sous tension et averse au risque. Par contre, si l'environnement est propice à la prise de risque pour des raisons factuelles, même si elles sont artificielles, si elles sont factuelles, ces raisons-là, eh bien là, en l'occurrence, pour le coup, ne pas y être, c'est aussi perdre beaucoup. Donc c'est fonction de... En gros, la bonne solution, elle est toujours adaptée à un environnement bien précis. Mais je poursuis, parce qu'il ajoute, si ne pas perdre, c'est déjà beaucoup, pourquoi ne pas en tirer les conséquences, sortir au plus vite et se repositionner sur du tangible? Oula, ça c'est une belle question, mais c'est quoi le tangible? C'est acheter de l'immobilier? Est-ce qu'acheter une action, est-ce que prêter de l'argent à une entreprise, c'est pas aussi du tangible? Vous savez, une entreprise, on est dans les locaux d'une entreprise ici. Une entreprise, c'est des gens. C'est du capital, c'est du travail, c'est des machines, c'est des gens derrière. Une entreprise, vous pouvez aller sonner en fait à la porte de l'entreprise, il y a des gens derrière. Donc, qu'est-ce que c'est le tangible? En gros, une action, c'est le titre de propriété d'une entreprise. Une entreprise, c'est une coquille qui porte une activité, qui achète des consommations en provenance de tiers, qui consomme des matières premières, qui les transforme et qui les vend. Donc, on peut considérer que c'est un actif tangible. Donc, j'ai dit, attention, tangible, pas tangible, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut le toucher comme ça tout de suite? Oui, mais effectivement, on peut toucher de l'immobilier, mais est-ce que c'est un actif productif, par exemple? Est-ce que c'est un actif productif de l'immobilier? Ben non, l'immobilier, ça restera toujours pour l'entreprise, qui est pour le coup, en fait, qui exerce une activité, une charge. Donc, c'est une charge, il ne produit rien de particulier. Alors qu'une entreprise, ça achète, transforme. Ah, des données, si c'est une activité de service, ça achète des données, ça les transforme, ça les livre pour poser des diagnostics, faire des recommandations. Si c'est une activité industrielle, ça achète des matières premières, ça les transforme, ça vous livre une machine à laver. Mais vous n'êtes pas en train de dire qu'il faut remplacer l'immobilier dans une allocation par des actions. Non, je dis simplement que au constat simple, les réponses sont rarement simples. Et souvent, on a des idées reçues qui font que, attention, l'immobilier évidemment est un actif tangible, mais on peut considérer qu'une entreprise aussi. Trois questions de Raphaël maintenant. Alors la première, c'est comment considérez-vous les actions mid-cap? Donc où les placez-vous sur votre cartographie? Alors, les actions mid-cap, on va les placer sur entre la deuxième et la troisième, le troisième cercle concentrique. Donc un peu plus risqué que les actions large-cap, tout simplement parce que la liquidité associée en fait à ces actifs-là, à ces actions, est moins forte. Donc en cas de stress, évidemment, les gens vont avoir tendance à les liquider assez, un peu plus vite et du coup, ça pousse en gros à considérer dans la tête des investisseurs internationaux les mid-cap et les small-cap comme des actifs plus risqués. Donc attention, hein, lorsque l'environnement est positif, ça veut dire qu'évidemment, elles montent plus que les large cap, ce qui est le cas d'ailleurs, ce qu'on a constaté, ce qu'il fallait jouer jusqu'à maintenant. Mais donc on reste sur des actifs qui sont des actifs périphériques pour les small cap, entre le deuxième, en gros, la petite couronne et la grande périphérie pour les mid cap. Sa deuxième question, concernant la liquidité des obligations d'entreprise, peut-on revendre les obligations d'entreprise à tout moment aussi facilement que les actions en cas d'anticipation de tension sur les marchés, en sachant que les obligations d'entreprise sont a priori très corrélées aux actions et sont donc, sauf erreur de ma part, sujettes au crack, tout comme celle-ci? Oui, effectivement, elles sont sujettes au crack comme les autres, parce que des taux qui remontent, ça veut dire que le prix de l'obligation que vous portez, en fait, s'effondre. Donc oui, effectivement, les obligations privées, hein, qui ne sont pas des États qui disposent de la cave pour imprimer des billets de banque et ne pas aller en prison derrière, évidemment, ce sont des actifs qui sont risqués. Alors, oui et non. Déjà, le marché des obligations, c'est un marché, en fait, pas de particuliers, c'est un marché de professionnels. Donc, la plupart du temps, les particuliers vont acheter des ETF ou des fonds euros, par exemple. Acheter des fonds euros, donc, c'est acheter aussi des obligations privées, donc des obligations d'entreprise. Donc, on les achète pas en direct. Donc, déjà, c'est le premier point. Deuxième point, en termes de liquidité, c'était moins liquide que les actions jusqu'à maintenant, mais ça a tendance en fait à changer, tout simplement pourquoi? On a vu quoi pendant la crise? Jusqu'à maintenant, les banques centrales sont elles-mêmes intervenues sur le marché pour
rendre ou continuer à assurer la liquidité de ce marché. Ce qui fait que maintenant, lorsqu'il y a une crise ou du stress, on peut compter sur la Banque centrale pour toujours apporter la liquidité à ce marché. Donc, ce qui fait que la différence de liquidité entre les deux classes d'actifs a tendance à se résorber tout simplement parce que la Banque centrale achète tout lorsque ça va mal. Sa troisième question, concernant la diversification de ses obligations d'entreprise, peut-on s'en tenir à en avoir qu'une seule en portefeuille dans la partie obligataire, comme pour une obligation d'État, ou bien faut-il au contraire systématiquement en posséder plusieurs ? Mais vous avez un peu répondu à la question. Oui, la diversification, c'est la base de la gestion du risque. Alors attention, avec toujours parce que c'est tellement facile de dire pour gérer le risque, il n'y a qu'à diversifier. Non, le vrai sujet, c'est diversifier si en fait vous achetez plein d'entreprises, que ce soit des obligations, des actions, mais qui se comportent de la même manière en fonction de l'environnement. In fine, vous avez certes plusieurs entreprises, plusieurs actions. Vous avez le même type de risque. Mais si vous avez en fait, si elles réagissent de la même manière lorsque le risque survient, en réalité, vous n'avez pas. En fait, la diversification ne vous apporte pas de gestion du risque. Donc en gros, la diversification, c'est quoi ? Ce n'est pas un seul titre, évidemment, mais plusieurs titres en faisant l'effort d'aller chercher des entreprises, si c'est des obligations ou des actions, qui ne réagissent pas de la même manière, ne pas jouer la même thématique pour tous les acteurs que vous allez acheter. Sinon, c'est une fausse diversification et qui ne remplira pas en fait, son rôle d'assurance, à savoir si jamais une thématique vient à tomber, je serai protégé parce que j'ai en portefeuille des titres qui se comportent différemment. Lisa, qui a une question concernant les compagnies pétrolières. Quel est le meilleur moment pour acheter des actions de grandes compagnies pétrolières ? Vous jouez les prix du pétrole. Voilà, donc c'est très précoce en fait. En général, ça c'est pour le coup des valeurs qui sont très très cycliques. C'est vraiment la thématique du retour de la croissance, de la lumière au bout du tunnel qui doit vous faire acheter à la fois des compagnies pétrolières ou du pétrole. Alors typiquement, ce qu'il fallait acheter au mois de novembre, à partir du moment où il y a eu des perspectives de vaccination. Évidemment, tous les investisseurs internationaux ont joué quoi ? La thématique de la lumière au bout du tunnel, donc du rebond de la croissance, ça a amené à quoi ? Les prix du pétrole a passé de 35 dollars à 65 dollars aujourd'hui. Donc évidemment, lorsque vous passez de 35 à 65, vous comprenez bien que les boîtes qui produisent cela en bénéficient au premier chef. Donc, c'est ce qu'on a constaté jusque-là. Donc, c'est à jouer très tôt dans le cycle, c'est-à-dire que lorsque tout va mal, à partir du moment où il y a eu des très grosses corrections, notamment sur les marchés financiers, c'est un des secteurs d'activité qui rebondit en premier. Donc là, c'est ce qu'on a déjà vécu. Pourquoi ? Parce que les investisseurs savent que c'est un secteur d'activité très cyclique et qui bénéficie en premier du retour de la croissance. Il y a une question qui revient assez fréquemment de la part des internautes, c'est celle des indicateurs qui peuvent aider à déterminer à quel moment du cycle on se situe et finalement quel type d'allocation choisir. Oui. Donc, quels sont pour vous les indicateurs qui peuvent aider les internautes à fabriquer leurs allocations ? Alors, premier point, le plus facile aujourd'hui, c'est regarder ce que disent les banques centrales. C'est quand même un élément majeur aujourd'hui qui fait le marché déjà depuis 12 ans, on va dire, depuis la crise de 2008-2009, où c'était déjà des acteurs qui étaient majeurs dans les années 2010, qui le sont encore plus maintenant. Donc, suivez évidemment ce que disent les banquiers centraux. À partir du moment où vous avez des banquiers centraux qui continuent d'affirmer leur soutien permanent, et surtout dans les actes, qui continue de faire ce qu'on appelle du quantitative easing, ces politiques monétaires non conventionnelles, grosso modo, qui continue de créer de la monnaie chaque mois et de l'injecter sur les marchés financiers. Évidemment, c'est une force qui alimente la force centrifuge, à savoir qu'on déverse toujours des liquidités, il faut bien qu'elle soit captée par quelque chose. Donc vraiment, c'est un élément majeur aujourd'hui de la force centrifuge. Deux éléments un peu plus, un peu plus complexe, qui revient un peu à la finance comportementale, aux anticipations qu'on peut faire sur la capacité que notre économie a à générer de l'épargne. Et ça repose sur deux concepts de base. Un, est-ce que les gens disposent de revenus suffisants qui leur permettent d'épargner ? Si les gens épargnent beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent à disposition. Et donc, même si ce n'est pas très bon pour la croissance, ça veut dire qu'ils consomment moins ou qu'ils consomment peu. Mais le fait d'épargner, c'est plus d'argent disponible pour les marchés financiers. Donc, ça alimente encore une fois par le cœur nos cercles concentriques. Donc, ça déverse des liquidités, premier point. Deuxième point, le plus conjoncturel, peut-être le plus important à regarder, c'est la profitabilité des entreprises. C'est quoi les profits d'une boîte ? Profit d'une boîte, c'est quoi ? C'est soit je distribue des dividendes, et donc je donne finalement aux propriétaires, aux actionnaires, la capacité soit à consommer, soit à épargner, donc ça colle avec le premier point, soit l'entreprise conserve
les profits réalisés, donc ça vient compléter et conforter ces fonds propres. Donc c'est encore une fois de l'épargne. Donc cette capacité à gérer de l'épargne naturellement de votre économie, c'est vraiment ce facteur-là, en plus des banques centrales, qui va venir alimenter plus ou moins l'ensemble des dynamiques autour de ces cercles, enfin, dans ces cercles concentriques, en commençant bien entendu par le cœur et ensuite en se diffusant vers l'extérieur, force centrifuge. Donc épargne des ménages, profit des entreprises. Alors, pourquoi les marchés sont encore bien comportés en début d'année? C'est assez simple, hein. Aux États-Unis et en Europe, mais encore plus aux États-Unis, vous avez une saison de publication de résultats, à savoir que les grandes entreprises américaines ont publié leurs comptes 2020, et ils sont excellents. Et même, pour aller plus loin, le quatrième trimestre de cette année, 80% des entreprises américaines qui ont publié ont battu les attentes des analystes financiers. C'est jamais arrivé depuis qu'on collecte ces données. Pour vous dire à quel point la proportion de bonnes surprises a été très forte. Donc, évidemment, le fait d'avoir ces profits qui se comportent bien et qui surprennent positivement, eh bien, ça permet d'anticiper une génération naturelle de l'économie, une génération d'épargne naturelle de l'économie qui va venir alimenter tout cela. Et donc, suivez bien les profits des entreprises. Donc, banque centrale, message des banques centrales, profit des entreprises, épargne des ménages. Et en dernier lieu, tout de même, je suis désolé, c'est un peu long, mais bon, c'est pour bien comprendre les forces qui alimentent. Il faut aussi regarder que la taille de nos cercles concentriques n'évolue pas trop. Et donc, il y a un élément dont il faut avoir conscience aujourd'hui, c'est que le cœur, c'est les obligations souveraines. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le déficit public, les déficits publics de tous les États du monde explosent. Et donc, ça veut dire quoi que le déficit public explose? Ça veut dire que concrètement, le besoin de financement des États explose. Et bien ça, il faut trouver de l'argent pour faire. Donc, si jamais vous avez un besoin de financement public, c'est-à-dire la taille du cercle du milieu qui augmente, attention, ça peut être pour le coup un élément moteur qui génère plutôt là, cette fois, une force centripète, à savoir qui vient préempter de l'argent qui serait à disposition des autres cercles concentriques et qui viendrait le préempter, donc plutôt favorable au cœur et défavorable aux actifs périphériques. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une martingale, mais juste d'un instrument d'analyse évidemment. Et qu'il faut donc interpréter les données pour fabriquer son allocation. Ça, c'est il faut ça, le garder en tête. Absolument, et en sachant que évidemment, il y a ce qu'on constate et ce qu'on anticipe. Et là, toute la difficulté en fait, des marchés financiers, c'est que vous n'achetez pas en fait, les actifs pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils vont faire. Et donc, vous allez chercher en fait, les indices qui vont vous indiquer, justement, qui vont vous permettre d'appréhender mieux ce que les acteurs sous-jacents que vous achetez vont faire. J'ai une dernière question, Pierre. Elle concerne la pertinence de votre modèle, puisqu'il repose sur le comportement des investisseurs institutionnels. C'est de la finance comportementale des investisseurs institutionnels, finalement. Est-ce que ce modèle intègre suffisamment la montée en puissance des particuliers sur les marchés financiers? L'affaire GameStop en est l'illustration la plus patente et la plus récente. J'ai envie de vous poser une question. Elle s'est finie comment, l'affaire GameStop? On vit dans un monde, enfin le monde des marchés financiers a toujours été fait par des agents professionnels. Toujours. Pour plusieurs raisons. Déjà, un, la qualité de l'information que vous avez à disposition. Ça a été évoqué tout à l'heure, hein, comme un élément qui fait que, ben voilà, à juste titre, c'est vrai, les particuliers n'ont pas accès à l'information au même moment. Il n'y a pas de délai d'initié forcément, hein, mais la proximité vis-à-vis d'une gouvernance d'entreprise, vis-à-vis en fait, des sphères qui prennent les décisions, fait que ben, votre capacité à anticiper n'est pas la même, évidemment. Et comme on le dit souvent, et ça reste le cas, quand vous avez un magazine qui titre il faut acheter, vous pensez bien que les acteurs professionnels se sont déjà tous positionnés en amont. Et c'est plutôt qu'est-ce qui se passe en général? C'est plutôt en fin de cycle qu'on en appelle aux particuliers. Parce que l'investisseur professionnel, il fait quoi? Il attire finalement le particulier pour, en fin de cycle, trouver un acheteur, à ce que lui va céder. Donc, voilà, c'est un peu un axiome. C'est-à-dire que malheureusement, on peut le regretter, hein, on peut le déplorer, mais l'essor du particulier sur les marchés financiers, alors aux États-Unis, c'est un petit peu différent en Europe, mais même là-bas, voilà, il y aura toujours un avantage au professionnel versus le particulier parce qu'il dispose d'une information en fait, qui est supplémentaire. Et GameStop, ça ne s'est pas très bien terminé en fait, pour les particuliers qui ont essayé justement de lutter contre ça. Dernier point, GameStop est un excellent exemple. Et si même les particuliers pouvaient disposer de l'information, les régulateurs et les autorités font quoi? Elles protègent le professionnel parce que le « too big to fail », c'est un élément majeur de la finance aujourd'hui. En réalité, ces acteurs-là ne peuvent pas être mis en difficulté par les particuliers. Si jamais les particuliers vont contre les acteurs financiers traditionnels, eh bien, le régulateur les protégera. Pourquoi? Parce que c'est sur cette base-là en fait, que le système financier tient. Et les banquiers centraux, les régulateurs, ne veulent pas que le système financier s'effondre. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Regardez la crise d'LTCM, dans les années 90. C'est quoi? C'est un énorme fonds géré par deux prix Nobel. Qui fait n'importe quoi.
qui aurait dû en fait amener, gérer la faillite de beaucoup d'acteurs. Il s'est passé quoi? C'est le début d'ailleurs, hein, de l'immersion des banques centrales et de l'interaction des banques centrales avec les marchés financiers. Alan Greenspan, à l'époque, les a sauvés. Ou est venu en soutien à. Et donc il faut avoir cela en tête. C'est-à-dire que, un, déjà, le professionnel dispose d'informations que le particulier n'a pas, et c'est par construction comme cela, et malheureusement, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et deux, si jamais il en disposait, les autorités sont garantes de l'équilibre du système financier, il repose essentiellement sur des acteurs institutionnels. Donc ça répond un peu à la question de, on peut intellectuellement regretter ce phénomène-là, mais c'est un fait, et j'ai peur que c'est un fait qui soit durable. Pierre, merci beaucoup en tout cas pour toutes les réponses que vous avez apportées. Pour votre patience. Hein, voilà. On n'a pas pu traiter toutes les questions, on a essayé d'être le plus complet possible, mais en tout cas, prévoyez dans votre agenda de nouveaux créneaux pour des émissions et sur le Bitcoin et sur la dette, entre autres. Merci Vincent. Merci Pierre.